Les MC s'effondrent comme à la rue d'Aubagne. Au State, ils ont Kaylin ou Maeva Guenam. On a parlé. D'amour, je suis trop contente parce que y a Emmanuel Macron qui a dit qu'on allait être confinés à partir de samedi soir. Or, mon événement, du coup, la sortie de My Magnum Gucci, donc ça va être vendredi. Et... Youpi! Wouhou! Je suis trop contente. Donc, du coup, je lancerai le site internet vendredi et je fais une soirée d'inauguration du coup, avec mes amis. Et du coup, comme je vous ai annoncé, le samedi, du coup, j'ai pris un magasin éphémère à Marseille. L'adresse, je vous ai partagé le flyer et du coup donc le magasin il sera ouvert de 9h du matin à 19h et moi je viendrai de 14h à 17h pour pouvoir vous rencontrer et faire une séance de dédicace et du coup bah, pour ceux qui habitent à Marseille ils auront la chance de découvrir les Maeva Guenam Gucci. Je suis trop contente, je suis trop contente, on est pleurer. Habibi, la vie atomique. Charbonné. Bon, mes amours, j'espère que vous allez bien. Écoutez-moi, ça va, je me suis levée tôt. Parce que hors de question que le temps jusqu'à midi, ça c'est plus la Maeva qui fait ça quand elle est en France. Je prends mon petit déj, mon petit café, ma gamine, la fois, elle est en train de faire du sport en claquette en bas. Elle est vraiment starvée, celle-là. Bon matin. Sinon, je rentre aujourd'hui à Marseille, mes amours. J'ai un truc à faire à 13h, je rentre. Et que j'allais dire. Sinon, le son Maeva Guenam, Maeva Guenam, il sort le 16, il sort demain. Je suis trop contente sur toutes les plateformes. Donc voilà. Mais, il se passe quoi là? Bonjour! Qu'est-ce qui se passe? Elle fait du sport de bon matin celle-là? Allez, enchaîne! Du sport à pieds nus, les gars. À pieds nus. T'expires, tu montes. Ça va, toi? Et toi? Ouais. Souffle. Ouais. Vas-y. Vas-y. Voilà, souffle. Où mes jambes marchent là? Fais gaffe. Comme un calibre. Elle peut t'enlever ton âme. T'es ma. C'est missile. Crossface, my vagina. My vagina. My vagina. My vagina. Les MC s'effondrent comme à la rue d'Aubagne. Au State, ils ont Kaylin ou Maeva Guenam. On a pas les Champs-Élysées, on marche en bande organisée. Dans la calage. Moi je rentre à Marseille, putain j'ai pas trouvé de train avant, j'ai encore 2 heures devant moi, je suis trop deg. Du coup je vais m'arrêter manger, on est dans un petit resto et voilà, j'ai plein de choses à faire à Marseille, je suis trop contente parce que demain c'est l'enfant de Maeva Guenam Gucci. Donc là je suis surbookée, je dois rentrer faire mes cils, préparer encore plein de choses. Vous savez, quand vous faites des événements, il y a toujours des imprévus, toujours plein de choses à faire. Et du coup, j'ai trop hâte. Ça sort enfin demain. J'ai trop hâte que vous voyez ce que c'est. En tout cas, je vais vous donner un petit indice. C'est que je l'utilise tous les jours. Voilà, tous les jours, j'utilise Maeva Guenam Gucci depuis que je les ai reçus. Et je suis trop contente, mes amours. J'ai trop hâte d'être à demain. J'ai trop hâte. Et d'être aussi à samedi, à après-demain, pour vous rencontrer. Voilà. Enfin, demain, j'ai trop hâte que vous voyez ce que c'est. En tout cas, je vais vous donner un petit indice. C'est que je l'utilise tous les jours. Voilà, tous les jours, j'utilise Maeva Guenam Gucci depuis que je les ai reçus. Comment les amours, je suis dans le train. Bon voyage, merci. J'ai trop hâte de rentrer, j'ai plein de choses à faire. J'ai oublié ma dossier qui vient à la maison ce soir. Et voilà, j'arrête pas de penser, je vous jure, au projet Maeva Guenam Gucci. Ça y est, demain tout sort. J'ai trop hâte de vous montrer. C'est magique ce que je vous ai préparé. Tout le long du train,
je passe navet parce que, en fait, je vous jure que à chaque fois que je prends le train, je me suis avec quelqu'un parce que je fais des snaps, pas que je parle. Donc je n'ai pas snappé. Sauf que là, tout le monde est descendu avec son Provence. Il y a des dents, il n'y a que moi. Je peux snapper, je peux bien faire ce que je veux. Ça m'a trop manqué de vous snapper. Et mes amours, je suis trop contente. Le compte Instagram de Maeva Genambucci, il a eu 100K aujourd'hui. Ça fait que 3 jours que j'ai ouvert le compte. Et genre, je n'ai même pas sorti encore. Ça n'existe même pas encore le site. Genre, vous savez même pas ce que c'est. Je mets juste des photos avec des indices. Franchement, je suis trop contente. Merci, ça me fait trop plaisir. Je vous aime trop. Vous m'envoyez trop de soutien. Ça me fait trop plaisir. C'est énorme. Vous imaginez 100 000 personnes qui se sont abonnées, 101 000 même, au compte Maeva Genambucci. Genre, c'est plus que le Stade de France. C'est énorme pour moi. Mais je vous aime trop. Mais I love you. Je vous aime trop. Mais trop plaisir. En plus, vous savez, moi ça m'arrive de quand je poste des photos de lire sous mes commentaires, mais je le fais pas tout le temps, je le fais vraiment de temps en temps, et de vous répondre et tout, et même d'insulter les gens qui m'insultent. Ça, j'adore insulter les gens qui m'insultent. Mais là, genre, comme c'est ma marque, comme c'est mon projet, que ça fait 2 ans que je travaille dessus, je lis tous vos messages, tous vos commentaires. Il n'y en a pas un que je loupe sur le compte Maeva Genambucci. Et genre là, je vois que des trucs positifs, que des commentaires positifs, que de la bienveillance. Vous êtes tous fiers de moi parce que j'ai créé ma marque à 23 ans. Et genre, ça me fait trop plaisir. Je vous aime, je vous aime, je vous aime. Je suis trop contente. Je suis trop émue. Moi, je peux pas trop pleurer parce que j'ai beaucoup de Botox. Et puis j'ai mal à pleurer parce que le Botox, ça me retient mes larmes. Et je n'ai pas l'habitude de pleurer de joie. Moi, je pleure que quand je suis en colère, mais je fais que pleurer de joie. Je vous aime trop, je suis trop contente. Regardez mes amours, j'ai reçu toute ma viande. Bon, ça c'est toute ma charcuterie à Zouk. Meilleure boucherie halal de Marseille. Je me fais livrer bien sûr. Genre comme au drive à McDo. Ouais, à Zouk. C'est les meilleurs. Alors mon congélateur.